parler que je crois que la soirée est finie. Je n'ai plus rien à ajouter. Alors, puisque c'est une conférence, on va commencer par de la musique. Alors, cette guitare, elle est telle qu'étaient les guitares avant 1870, parce que la guitare classique ou espagnole telle qu'on la connaît, elle a une forme qui s'est fixée en 1870 à Barcelone, avec un luthier qui s'appelait Torres. Et avant le dessin qu'il nous a, en quelque sorte, sans le vouloir lui-même, mais imposé, avec un seul modèle presque, il y avait une variété de modèles très très grands, dont celle-ci fait partie, mais on y reviendra, écoutons-la un petit peu. Es decir, una lengua que se oye porque se articula.
Il se trouve que la langue française s'est désarticulée sous l'influence enfin, de tout des tas d'événements historiques, mais aussi du philosophe Rousseau. Et c'est à cause de lui qu'on dit maintenant « Passez-moi le sel, je vous prie », au lieu de dire « Passez-moi le sel, je vous prie ». Ce qui fait rire, mais la langue rythmée, c'est la deuxième. Et vous savez que nos ancêtres parlaient soit comme ça quand ils étaient du Sud, soit comme les Québécois d'aujourd'hui s'ils étaient du Nord. Et ce qui veut dire que la langue et l'articulation de nos ancêtres étaient beaucoup plus marquées. Il y a des endroits où la langue est restée fossile, si vous voulez, qui témoignent. Eh bien, la musique, c'était pareil. Même la musique classique, on ne la jouait pas du tout comme on la conçoit aujourd'hui. Et bon, ça, c'est encore un autre thème. Mais parlons des guitares. Alors, donc, cette guitare que vous avez entendue, c'est une guitare complètement européenne, c'est-à-dire, il n'y a aucun bois exotique. Voilà ici du cerisier, voilà ici du prunier, voilà ici de l'épicéa, voilà ici du buis. Rien. Il n'y a que des bois de chez nous. Elle est montée avec des cordes en boyau, comme c'était à l'époque, et elle permet un mode de projection qui est propre à la musique traditionnelle et qui cherche à articuler. De même qu'on articule la langue, voilà, de même qu'on articule la musique. Mais nous y reviendrons. Voilà, ça c'est un petit peu le résultat de tout un voyage qu'on va essayer d'évoquer. Alors, premièrement, vous allez voir que grâce aux instruments, alors ça c'est pour les méchants, grâce aux instruments, on va faire de la musique, de la civilisation et de l'art à la fois. On va s'apercevoir, premièrement, un tout petit peu de géographie, n'est-ce pas ? On va s'apercevoir que la civilisation grecque, qui s'est développée dans ce qui est, d'une part évidemment, dans la Grèce actuelle, et puis également dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, mais qui n'était pas du tout turque à l'époque, parce que les Turcs n'ont rien à voir avec cette Turquie, ils viennent d'Asie centrale. Ils sont venus bien après. Donc la civilisation grecque, elle a donné la civilisation byzantine, et disons, elle va concerner, au point de vue de sa racine, toute cette zone, et puis bien sûr, elle va essaimer dans toute la Méditerranée. Agde, par exemple, était une ville grecque, même dans le port de Narbonne ou de Séville, il y a des traces de la civilisation grecque, même de la civilisation phénicienne qui a précédé. Donc grâce aux instruments, on va s'apercevoir qu'il y a eu des passations d'instruments d'une civilisation à l'autre, et ce qu'on considère aujourd'hui comme un instrument proprement arabe, par exemple, eh bien on va voir qu'il était déjà joué par les Romains. Dans les fresques de Pompéi, évidemment je vais faire un montage vidéo, mais dans les fresques de Pompéi, pour ceux qui se souviennent, on voit un Romain qui joue cet instrument et qui se tient comme ça. N'est-ce pas ? Eh bien, cet instrument, aujourd'hui, il est marocain. Où est-ce que c'est les Espagnols qui l'ont amené chez les Arabes? Eh bien, figurez-vous que si on étudie un tout petit peu la langue, on trouve la trace. Ça veut dire que si cette... Vous savez qu'en espagnol, pour tambourin, on dit pandero. Pandero, pandereta. Si ce mot avait été arabe et que les Arabes l'avaient amené, les Espagnols diraient bandero. Tout simplement. Mais c'est le P qui est devenu un B, et c'est la preuve que cet instrument dit arabe, en fait, est espagnol. Bizarre. C'est simplement pour montrer que dans le langage, on trouve quelquefois des traces qui sont tout à fait intéressantes et qui nous permettent d'enquêter dans l'histoire. Alors, ben voilà un instrument. Grâce au projecteur, on s'aperçoit que l'animal qu'il faut attraper à la course pour le construire s'appelle la tortue. Au niveau culturel, à Vichy, il est intéressant. Bon, donc, la tortue. Cet instrument, il a été fait au Maroc il y a 80 ans à peu près.
Eh bien, il y a au musée de l'homme une terracotta, ça veut dire une petite statuette de 30 cm comme ça, qui vient de la civilisation de Hakka, qui a 4600 ans, et qui montre quelqu'un qui joue exactement cet instrument. Il ne me manque que le chapeau, une sorte de tiare, très très haute, mais j'aurais pu l'amener, mais enfin bon, vous pouvez faire faire si vous voulez. Mais l'instrument, c'est tout à fait le même. Eh bien, cet instrument, on va raconter son histoire grâce aux Grecs. Alors, il y a un fameux Échille. Qui peut me raconter l'histoire d'Échille? À l'endroit au rayon Sciences Hélène, là-bas. Et vous allez voir que Échille, son histoire, vous la connaissez sans le savoir. Vous allez voir pourquoi. Échille, c'était un musicien et un poète. À l'époque, on ne déclamait jamais la poésie, on la jouait toujours, on la chantait avec un instrument. D'où l'expression poésie lyrique. Pourquoi? Parce qu'on l'accompagnait avec la lyre. Et elle aussi avait une carapace en tortue. Échille avait tellement travaillé sa musique, tellement cultivé son art, qu'il a atteint la fontaine de Jouvence et que donc il ne mourait plus. Il ne mourait plus, et donc il y a quelqu'un qui s'est mis en colère et qui s'appelle Zeus. Il s'est mis en colère, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce misérable mortel? En plus, il est aveugle. Et 100 ans, 200 ans, le plat qui joue, le plat qui compose, etc., 300 ans, 400 ans, au bout de 500 ans, il ne tient plus. Et il organise une expédition. Il convoque deux aigles. Il leur glisse un petit mot dans l'oreille. Ceux-ci s'envolent dans la steppe, saisissent un bâton. C'est là que l'histoire commence à vous revenir. Ces deux aigles prennent un bâton dans le bec. Ils se posent dans le désert près d'une tortue qui saisit ce bâton au milieu. Il s'envole dans les airs, il repère Échille qui faisait la sieste, et pour lui apprendre à vivre si longtemps, il le bombarde et lui fracasse le crâne avec la tortue. Et aujourd'hui, vous retrouvez sur cet instrument la carapace de tortue, le bâton que voici et la plume d'aigle que voilà. Réminiscence. Après, ce que signifie ce récit, on pourrait en parler, mais écoutons un petit peu. La tortue d'Échille. Alors, ce qui est important, si on essaie de jouer un instrument et de trouver le son qui était produit autrefois, c'est qu'il faut le plec qui correspond, donc en l'occurrence ici la plume d'aigle, et puis les cordes qui correspondent, c'est-à-dire le boyau de mouton. Thank you.
y a trois corps. Ouais, disons que, disons qu'il y a même un modèle où il y avait deux corps. Et d'ailleurs, il y a une très belle anecdote, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait, père son âme, qui s'appelait Titus Burghardt, et qui était un arabisant, un spécialiste des arts musulmans. Et il était dans les rues de Fès en 1925, et il voit un mendiant qui jouait cet instrument avec deux cordes. Et alors il dit, mais monsieur, c'est incroyable, deux cordes seulement, etc. Et tout. Et le mendiant qui le regarde comme ça très sévèrement, il a écrit ça dans un livre, il a raconté le récit, et qui lui dit, quelle est cette question déplacée que vous me posez? Dans l'instrument, il n'y a que deux cordes, comme dans le monde, il n'y a que le mâle et la femelle. Ouais, mais là... voilà. Et ça vous fait rire, mais il y a peut-être des choses cachées derrière. La preuve en est que, je vais vous montrer un tout petit détail, dans l'instrument, ici les Turcs, concernant un instrument voisin de celui-ci, ils nous disent, voilà, c'est rond, donc il y a le monde entier. Alors eux, ils trouvent qu'il y a trois genres, parce que le monsieur, il disait, mâle, femelle. Et les Turcs, ils disent, voilà, quand on joue, il faut avoir un son femelle, c'est un son qui englobe. Il faut avoir un son mâle. C'est un son qui est pas net. Non ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis entre les deux, il faut un son qui est ni mâle ni femelle et qui est androgyne. Et dans la nature, comme vous le savez, vous avez dans la reproduction des espèces, il y a aussi une fonction qui lance la marche avec les androgynes. Donc, on dit chez les Arabes, on dit do, mag, es. Et avec tous ces. Avec ces trois sons, vous faites tous les rythmes. Vous voyez le mal là? Et qu'est-ce qui fait le rythme? Bien sûr, c'est la cyclicité, mais c'est aussi le contraste. Voilà, en art, il faut du contraste. Comme dans la calligraphie, qu'elle soit orientale ou occidentale, il faut du plein et du dégué. Bon, alors on a entendu l'instrument, vous vous rappellerez, voilà. Alors au Maroc, on l'appelle de plusieurs noms, peu importe le nom, mais en tout cas, il a été joué par les Romains, il a été joué par les Grecs, il a été joué par des tas de civilisations. Et ça, les derniers qui l'ont joué au Maroc, c'était les bergers, et qui se faisaient un instrument avec la tortue. Et puis après, ils ont remplacé petit à petit la tortue par des bidons d'huile de diverses marques, etc. Alors, qu'est-ce qui suit comme instrument, si vous voulez? Alors, c'est important, on ne le voyait pas très bien dans celui-là, mais on le voit mieux dans celui-ci. Ça, c'est la reconstitution du Néfer. Pareil, Néfer, vous connaissez. Qu'est-ce que vous connaissez comme nom qui commence par Néfer? Vous voyez que vous êtes cultivé, c'était plus pour rien. Hein, Néfertiti. Néfer signifie le symbole, le hiéroglyphe de l'harmonie. C'est le dessin d'un luth schématisé qui veut dire l'harmonie. Voilà. Néfertiti, c'est lié à l'idée de la beauté de l'harmonie et donc au luth par excellence. Alors ça, c'est la reconstitution que j'ai fabriquée des luths qui étaient qu'ils étaient joués en Haute-Égypte et qu'on appelait Néfer. Il y en a plusieurs au musée de l'Homme et il y en a aussi dans les musées anglais, enfin dans le Museum. Alors là, avec celui-là, vous allez entendre le son d'une matière que peut-être vous ne connaissez, vous n'avez pas encore entendu. C'est le son de la soie. Parce que les cordes de cet instrument sont en soie. Là, où est-ce qu'on trouve des cordes en soie? Mais il faut aller au Japon, ou bien en Chine, dans quelques endroits, enfin un peu difficile à trouver. Mais en tout cas, là, ça c'est la corde en soie. Alors, ce qu'on disait du fameux bâton que les aigles ont saisi, en fait le bâton le voilà. Il passe sous la peau en s'affinant, comme la branche d'un arc, et il sort par cette extrémité-là. Et au lieu d'une corde qui tend un arc, on a transformé l'extrémité en ce qu'on appelle meshta, c'est-à-dire un peigne, et on a fait trois dents, et on met trois cordes. Ici, il y a deux cordes, et on met deux dents. Donc on peut écouter un peu ce que donnait le son. À l'époque, ils ont joué...
fois, c'est que ça génère un son très très mûr. Et dans les aigus, c'est extraordinairement clair. Déresponsabiliser, ça veut dire que quand on joue du luth, enfin quand on jouait du luth autrefois, on était responsable de ses cordes. Il fallait trouver la personne qui fasse les bonnes cordes. Il fallait ensuite les préparer d'une certaine manière. Là, il y a plein de secrets, si vous voulez, avant de les monter. Après, il fallait les gérer, parce que si vous ne polissez pas les ongles, bien si vous n'avez pas un plec qui est très très lisse, les cordes qui coûtent très cher, vous allez les fusiller très très vite. Voilà. Alors aujourd'hui, on a remplacé, soit par du métal, soit par des matières synthétiques comme le nylon, le PKF, etc., etc. Et alors le musicien, lui, en plus, on lui a mis des clés avec des vis, des tas de trucs, etc. Voilà, bientôt, il y aura un ordinateur pour accorder l'instrument. Dans le rock'n'roll, quand le type a sa guitare désaccordée, il fait ça, il y a un mec derrière qui la lui accorde et qui lui en donne une autre. Ben, il y a une espèce de déresponsabilisation. Et cette déresponsabilisation, si vous voulez, le piano l'exprime. Parce que le piano, c'est le premier instrument, bizarrement, où l'instrumentiste ne s'occupe jamais d'accorder. Vous voyez ? Donc il y a un côté très spécial, c'est un pas qui a été franchi dans l'évolution de la civilisation, c'est quelqu'un d'autre, un spécialiste, qui vient accorder. Vous voyez ? C'est très très particulier. Sur, je ne sais pas, j'ai peut-être rencontré 500 pianistes, j'en ai trouvé qu'un qui s'inquiétait de se dire « Ah, mais c'est moi qui vais accorder, parce que je vais accorder de telle manière à telle manière. » Donc vous déléguez. Après, évidemment, vous pouvez avoir une intimité avec un accordeur, ça, c'est pas interdit. Bien, alors, où est-ce qu'on en est ? Alors, si vous voulez, on va passer on va passer à une phase un petit peu différente avec cet instrument. Cet instrument, c'est une copie que j'ai réalisée à partir d'un modèle que quelqu'un a ramené de la ville de Sanaa. Sanaa, comme vous le savez, bien sûr, c'est au Yémen. C'est par là, Sanaa. Voilà. Et la ville de Sanaa, elle est perdue dans les montagnes, elle était assez à l'abri des influences, et donc cet instrument, il a disparu partout des villes de musique arabe, et il n'est resté qu'à Sanaa. Ce qui est intéressant, c'est que cet instrument, à une certaine époque, il a existé depuis le Tibet jusqu'au Portugal. Alors au Tibet, c'était pas compliqué, voilà un modèle plus petit. Au Tibet, ici, il y avait une tête de... Une tête de dragon, n'est-ce pas ? Quand c'est arrivé chez les troubadours européens, on a mis une tête de personne, souvent une tête de femme. Plus tard, on a mis Sainte-Cécile, qui est la patronne des musiciens. Et souvent, c'était une tête, voilà. Et chez les musulmans, il n'est pas question de mettre quelque chose qui est un être vivant représenté. Donc, on a mis... Ah, un miroir. Alors, sachant que lorsque vous jouez, regardez, vous voyez, avec le miroir... On peut faire des appels. On peut faire certaines personnes. Et alors, quelle est la différence avec... donc, chez les troubadours, ça s'appelait la sitole. Et puis là, ça s'appelle le luth de Sanaa, le oud de Sanaï. Et puis, au Tibet, je vous dis, on m'échappe. Ça va me revenir tout à l'heure. Quelle est la différence avec le précédent ? Eh bien, c'est au lieu d'une carapace et d'un bâton, en fait, cet instrument, il est sculpté dans un tronc d'arbre d'ici jusque-là. Il est sculpté dans un tronc d'arbre. Tout ça, c'est creux. Voilà. Ici, ensuite, on colle une plaque de bois qui servira de manche. Et là, une peau qu'il faut tendre d'une certaine manière. Et de nouveau, on va avoir la production du son grâce à la vibration de la table. Alors, pour que vous soyez sûr que c'est bien une flûte deck. Alors évidemment, je ne les chasse pas, on ne m'accuse pas. Je vais juste sous les nids au mois de septembre, pour y arriver. Parce que les aigles, avant de partir, ils perdent leur rémiche, ils perdent leur plume, donc vous pouvez ramasser, puis ils s'en mettent des neuves et ils s'en vont. Et donc il y a quelqu'un qui ramasse.
Caucase, vous connaissez bien sûr, hein. Vous êtes à Marseille, vous contournez la Bosse, tac tac, vous contournez la Grèce, tac tac, vous montez, vous passez les Dardanelles, vous passez Istanbul, au fond de la mer Noire, Batoumi, etc. Et où est-ce que vous arrivez? Vous arrivez au fond de la mer Noire ici, c'est la Géorgie. Si vous voulez aller à la mer Caspienne, vous passez par le Caucase. Le Caucase, c'est tout ça. Vous avez le moyen Caucase, le grand Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, etc. Dans cette région, on joue l'instrument roi. C'est un instrument qui découle de celui-ci et qui s'est perfectionné d'une autre manière. On l'appelle le tar. Dans les langues hindoues européennes, tar, ça veut dire la corde. Et vous le retrouvez dans guitare, sitar, etc. Alors cet instrument, qu'est-ce qu'il a? Monoxyle, ça veut dire on a taillé sa caisse dans un bloc de mûrier, qui a été très très bien choisi, parce que le cœur était là. Donc déjà, là, on a sacrifié un demi-trou, si vous voulez, pour cet instrument. Donc c'est une très belle pièce, parce que c'est rare qu'on puisse avoir quelque chose de très symétrique comme ça. Ici, on fait une sorte de moignon, et après, on rajoute le manche, et après, on rajoute la tête. Donc c'est pas d'une seule pièce comme l'autre, c'est en trois pièces, mais néanmoins, c'est ce qu'on appelle monoxyle. Pour tailler, c'est du mûrier. Pour tailler le monoxyle, il y a une technique, c'est qu'on mouille le bois, on le travaille mouillé, ce qui évite de le fendre. Et puis on a deux instruments différents, on a une herminette, vous savez qu'une hache c'est comme ça, mais une herminette c'est comme ça. Donc ça a au lieu d'avoir la lame comme ça, ça a la lame à 90 degrés. Avec cette herminette, on taille l'extérieur dans le bois mouillé. Et après, on a une autre herminette qui est comme une gouge, qui permet de tailler l'intérieur. Mais c'est très délicat, parce que vous voyez qu'il y a deux ouvertures, une en forme de cœur, une en forme de ovale. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que vous allez constater que cet instrument qui sonne, on ne peut pas l'accuser de ne pas sonner, eh bien, il n'a aucune ouverture. Si vous en trouvez une, il n'y a aucune ouverture. Alors me direz-vous, ben, par où passe le son? Parce qu'on pense toujours que la guitare, ça a un trou, les violons, ça a des F, la contrebasse aussi. Donc ça veut dire que le son, je ne trouve pas les trous, quoi. Ben non, c'est pas comme ça. Imaginez que cette corde qui mesure 65 cm et qui a une tension de 3 kg, je vais mettre deux clous dans le sol, 65 cm, 3 kg, et je fais sonner. On n'entend rien, pratiquement rien. Pourquoi? Parce que pour ébranler l'atmosphère, cette corde, elle n'a que sa propre surface, qui est à peu près négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette corde, quand je fais ça, elle doit vibrer, attendez, à 400, à peu près à 650. Ça veut dire que dans une seconde, elle a fait 650 fois son mouvement d'aller-retour. Ça s'appelle la fréquence. Cette fréquence, elle est transmise au chevalet, qui est ce petit pont qui est là. Et par les pieds, le chevalet, il va transmettre ses 660 vibrations par seconde à cette surface-là, en peau, qui d'ailleurs est une peau intéressante parce que c'est le péricarde du taureau. Vous voyez, le cœur du taureau, nos cœurs ont un péricarde, gardez-le. Et celui du taureau, quelquefois, on le met sur cet instrument-là. Il est très fin, vous verrez tout à l'heure, il est quasiment transparent. Donc il mesure à peu près un quart de millimètre. Même pas un cinquième de millimètre. Attendez, je tape. Il doit faire 20 centièmes de millimètre ou 15 centièmes de millimètre. Et il supporte sur ses pieds là 45 kg de pression sans casser. Vous voyez, c'est une matière tout à fait merveilleuse. Alors, ces 600 vibrations par seconde, elles passent au chevalet et ensuite elles passent à cette membrane qui va transmettre cette fréquence à l'atmosphère avec une surface qui est quand même considérable ici. L'atmosphère fait 660 et ça va toucher le petit tambourin que vous avez au fond de l'oreille qui s'appelle le tympan. Et ça passe par un nerf du cerveau qui dit « Ah, 660 !» si vous avez l'oreille. Donc ça, c'est le tar. Qu'on joue en Arménie, qu'on joue en Azerbaïdjan et en Géorgie. Thank you.
obtient un effet de vibrato qui est différent. Et ça vient du fait de la sensibilité de cette membrane. Voilà, c'est le tar. Voilà, pour... Et ensuite, vous avez quelques heures entre vous. Par des souverains musulmans, ils l'ont fait comme ça, etc.
Et le plus étonnant, c'est le palais royal de Séville, qu'on peut voir en face de la Giralda, en face de la cathédrale, Séville. On peut le voir. Eh bien, il est tout aussi arabe et arabo-andalou que celui de Grenade. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a été construit 150 ans après le départ des Arabes. C'est dire combien ce qu'on appelle les Mudéjares et les Mozárabes, combien ces gens étaient imprégnés de culture. Et ce qui est très étonnant, et on le sait moins, c'est que jusque dans le massif central, il y a des sculpteurs chrétiens qui faisaient des statues dans les églises et qui venaient d'Andalousie et qui souvent faisaient des décors. Et en décor, ils écrivaient des lettres koufis, donc des lettres arabes, et quelquefois même des formules religieuses musulmanes au pied de certaines statues. Tout à fait étonnant. À Magdalen, je parlais de Magdalen tout à l'heure, qui est une abbaye pas très loin de Montpellier, sur le bord de la mer, et une statue de la Vierge. Et en bas, dans le socle, il y a la profession de foi musulmane qui est écrite en koufi, et la statue de la Vierge qui est par-dessus. Dans le portail de Conques, vous avez l'ange du jugement dernier qui plonge comme ça, et dans le bas de sa robe, il y a une expression coranique, il y a écrit « Yom el-Qiyama », ça veut dire le jour où les gens vont se relever, c'est-à-dire le jugement dernier. Et c'est écrit en arabe. Et un ami m'a montré récemment un très beau tableau italien du Sud, du 15e siècle, qui représente la Vierge à l'enfant, etc., avec tout le... D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça représente les éléments musicaux symbolisés par les anges, musiciens, etc. Eh bien, j'ai lu dans les plis de la robe, il y avait écrit un mot arabe, Alhamd, qui veut dire la louange. Et donc, si vous voulez, les chrétiens d'Espagne, ils ont été marqués. Et voilà, donc ça témoigne. Et alors, donc, dans les instruments, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand les Arabes sont partis, alors que dans toutes les cours d'Europe, on continuait à jouer le luth, que je vais vous montrer maintenant, les Espagnols, ils n'en pouvaient plus, ils avaient eu des musulmans trop longtemps, et c'est là qu'ils ont fait apparaître la guitare. Alors que dans toutes les cours d'Europe, en Allemagne, en Angleterre, en France, etc., on jouait le luth, qui avait été amené par les Arabes, mais que les chrétiens avaient transformé, mais en Espagne, on ne voulait plus en entendre parler, et c'est comme ça que la guitare est apparue. Et c'est pour ça que, bon, celle-là, elle est du style 18e, si vous l'aimez, dans les premières guitares, elles avaient souvent le dos comme un luth, et les décorations complètement, même chose que l'architecture que je vous signalais, et des décorations complètement mozarabes. Voilà. Alors ce luth, eh bien, il faut quand même vous montrer. C'est lui qui... Donc... Voilà. Donc lui, si vous voulez, il y a toute une chaîne d'instruments avant d'arriver à lui. Comme je vous rappelle, on est passé par la tortue, n'est-ce pas ? Après, on est arrivé à un instrument qui était monoxyle. Alors il manque un instrument, il y a un chaînon manquant qu'on va retrouver en Chine et au Japon, parce que les instruments, ils ont aussi circulé sur la route de la soie. Les Chinois et les Japonais jouent un luth qui s'appelle le pipa et le biwa, qui a la caisse monoxyle, comme celui-ci, mais la table en bois, comme celui-là. Parce que la grande différence, ici, c'est qu'au lieu de la peau, maintenant, on a le bois. Et c'est peut-être une raison pour laquelle on a cet instrument s'appelle le oud. Le oud, c'est un mot qui signifie le bois par excellence. Donc là, c'est le bois qui vibre avec toute une symbolique. Mais on va l'écouter un petit peu. Alors lui, comme la guitare qui va suivre, il a des cordes doubles. Toutes les cordes sont doublées. Il a les cordes doublées, je vais vous expliquer. Pourquoi une guitare à 12 cordes? Ben oui, c'est vrai. Alors, vous avez une assertion que j'aurais tendance à vouloir contredire, mais excusez-moi madame. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Hein. La guitare à 12 cordes, c'est une réminiscence, une guitare ancienne. Mais en fait, la guitare, elle a eu des cordes doubles jusqu'à 10. Quand elle a eu plus de 10 rangs, quand il y a deux cordes, on appelle ça un rang, elles sont devenues simples, si vous voulez. Mais, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'accent. Quand vous avez deux cordes, c'est comme mes doigts. Quand vous donnez un coup de plectre vers le bas, en fait, vous les frappez toutes les deux. Elles sont ébranlées toutes les deux. Mais quand je remonte
vers le ciel, je n'en touche qu'une. Alors là, j'ai un son qui est doux, c'est le son féminin, et quand je remonte, j'ai un son qui est agressif, il est masculin. Voilà. Vous me direz, où est l'androgyne? Donc, le féminin, c'est ça. Le masculin, c'est ça. L'androgyne, c'est ça. Vous voyez, c'est des natures différentes. Voilà, le son, il se répand, il apparaît de manière différente. Vous jouez de la douce corde, madame? Thank you.
Thank you.
un qui est tout à fait emblématique des Ottomans. Et les Ottomans, ils ont hérité des Byzantins, beaucoup de choses en fait. Récemment, pendant un an, j'ai travaillé avec un chanteur byzantin. Eh bien, notre entente, elle a été très très rapide. Lui, il a appris dans les monastères grecs. Moi, j'ai appris à Istanbul et à Ankara et à Izmir. Et on s'est entendu tout de suite. Pourquoi ? Parce que 95% des modes musicaux, c'est-à-dire des couleurs musicales, entre les Ottomans et les Byzantins, c'est exactement la même chose. Et alors, quand je dis, vous savez, il y a la fameuse querelle des Byzantins pour le sexe des anges, hein, ils ont disserté, on dit couper les cheveux en quatre comme des Byzantins. Eh bien, eux, ils ont coupé les gammes. Les Byzantins et les Ottomans, ils sont arrivés à une division des gammes incroyable. Vous savez que quand vous regardez une guitare, vous pouvez compter les frettes, et vous voyez que pour aller à l'octave, vous avez 12 marches, n'est-ce pas ? Si vous comptez... C'est ce qu'on appelle les frettes. Si vous comptez combien de frettes vous avez pour aller d'un bout de la gamme à l'autre, vous comptez ici, vous allez trouver 12 cases, n'est-ce pas ? Alors c'est déjà pas mal pour travailler. Eh bien, chez les Byzantins et chez les Ottomans, vous pourrez venir compter ici. Pour aller de là à là, il y en a 33. Et là, elles ont un caractère d'égalité, et là, c'est 33 inégales, simplifié. Et là, vous avez de nouveau ce phénomène d'un instrument qui n'a aucune ouverture. Hein ? Là, vous avez une caisse, comme celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est une caisse qui est formée sur un moule, en pliant et en collant les côtes, avec les côtes qui sont collées. Et il y a aussi le filet au milieu, tout ça, ça doit être ajusté, donc c'est un travail faramineux. Et puis là, vous avez une table qui est traitée comme une peau, très très mince, tellement mince que quand on met le chevalet, elle s'enfonce. Voilà. Alors vous allez écouter un peu ce que ça donne. Donc, le palais de Topkapı, c'est un repère. L'autre repère, c'est, pour ceux qui ont vu, c'est les fameux Derwish Tourneurs. Ça vient aussi de ce monde-là. Et voilà. Donc ça s'appelle le tambour. Thank you.
de la table qui permet de faire ces effets de vibrato, et c'est simplement le choc avec l'atmosphère. Voilà, et puis pour terminer, donc le saz. Mais saz, ça veut dire quoi? En perse, c'est un mot turc qui est d'origine persane, en fait. Mais saz, ça veut dire instrument. Alors de même, il y a des pays qui sont vraiment marqués par un instrument. L'Espagne, elle est vraiment marquée par la guitare. Même la musique classique d'Espagne, elle dépend de la guitare. Les compositeurs ont été vraiment marqués par cet instrument. Ça, ensuite, évidemment, ça a essaimé en Amérique centrale, dans les Antilles, etc., et dans toutes les Amériques, pour donner la douce corde aussi. Ça vient d'Espagne. Et bien, en Turquie, c'est pareil. La guitare, on pourrait dire, elle est instrumento. Si en Espagne, on parle d'elle instrumento, bien sûr, c'est la guitare. Et en Turquie, si on dit saz, ben, saz, c'est ça. Ça peut être que ça. Voilà, donc c'est l'instrument pratique. Enfin, ça diminue un petit peu maintenant, mais on peut dire qu'il y a 30 ans, il y avait un Turc sur trois qui savait jouer du saz. Vraiment. Et 999 sur 1000 qui savaient chanter. Thank you.
Ah, mais j'en ai. Vous savez, je suis venu avec un Volkswagen, mais j'aurais pu prendre une Brabant. Alors le Bouzouki, si vous voulez, c'est la même famille que celui-ci, hein, traité un peu différemment. Je l'ai dit, si vous regardez le Bouzouki des années 1900 et les Saz des années 1900, Kifkin Bourico, Gardache, ce sont des frères. Et puis ça s'est différencié. Le Bouzouki, il a pris des trucs de l'Italie, si vous voulez. Il s'est mis à transformer sa caisse comme des mandoles, des mandolines, etc. Tout en gardant sa longue corde. Et petit à petit, son son s'est mis à changer, s'est éclairci. Dans la musique orientale, d'un côté, on aime bien les sons clairs, d'autre côté, on aime bien les sons voilés. Ah, j'ai oublié des choses. Quand même, c'est important. Vous avez 10 minutes, hein? En fait, vous voulez demander quelque chose, madame? Oui, nous sommes deux personnes aveugles et dans le public. Est-ce que vous pourriez nous faire toucher les instruments? Certainement. Merci. Alors, d'abord, si vous voulez, on va parler des cordes. Cordes pour la guitare ancienne, cordes en voyons. Les graves sont en soie filée, donc il y a aussi les cordes en soie. Donc boyau soie, c'était vraiment le principal des cordes. Et puis, il y a un élément qu'on a oublié, dont on a oublié de parler. C'est, vous savez, quand un enfant joue mal du violon, on dit quoi? Il joue du crin-crin. Ah, ah! Parce que quoi? Ça produit ce son. Quel son, madame? Le son, par exemple, quelqu'un qui joue mal du violon, qui un son un peu... Voilà. Alors vous allez voir que dans ce mot, en fait, il y a toute une histoire. Parce que moi, un crin-crin, j'en ai un. Crin-crin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre archet, bien entendu, il est fait avec du crin de cheval. D'ailleurs, cet archet de Turquie, on voit même les oreilles du cheval et la crinière ici qui dépasse. Voilà. Et l'instrument, c'est une noix de coco pour la caisse, la peau de poisson pour la table, et les cordes, c'est aussi du crin. Vous voyez, les cordes, c'est aussi du crin. Donc, crin sur crin donne. Alors, pourquoi est-ce que c'est une expression péjorative? C'est parce que dans l'histoire, en Occident, en France en particulier, on a aussi joué le crin. En particulier, les fameux violons sabots, on faisait les cordes en crin. Et alors, quand on dit crin-crin, c'est évidemment très péjoratif, ça veut dire « Oh là là, les campagnards !» Que nous sommes de ces campagnards. Vous savez que l'histoire française, c'est bizarre. En 1880, il y a 93% de paysans, 7% de citadins. Aujourd'hui, c'est le contraire, et l'Europe veut encore diminuer les paysans, enfin, pour peu qu'il reste des paysans, d'ailleurs. Donc, où sont passés les paysans? On n'aime pas le crin parce que ça rappelle certains souvenirs. Alors, je vais vous montrer que peut-être qu'on a été très injuste avec le crin, vous allez voir. Ça veut dire que crin, ça veut dire que c'est des gens qui sont grossiers. Là, vous avez en fait deux cordes qui sont des faisceaux de crin. Bon, on ne peut pas faire une corde avec un seul crin. Et puis une corde qui en soit. Alors, vous allez voir si c'est grossier comme ils sont. Le crin-crin. Hein, bon. Thank you.
communisme. C'est-à-dire, quand on a bourlingué un peu et qu'on revient chez soi, on ne relit pas l'histoire du pays de la même manière. Et donc, il y a plein d'indices qui apparaissent et qui désignent des choses. Ça veut dire que la musique traditionnelle, c'est pas seulement c'est oriental, c'est extrême oriental, c'est japonais, c'est chinois, c'est persan, c'est arabe. Non, c'est quelque chose qui nous concerne. On est dans. C'est comme expliqué très très bien tout à l'heure. Il y a une Weltanschauung dans l'art. C'est-à-dire, il y a une vue du monde, hein, c'est le terme philosophique un peu consacré, Weltanschauung, ein bisschen deutsch sprechen, c'est ce que. Bon, donc il y a une vue du monde. Et quand on étudie, le rapport des gens avec les instruments, le sens, la corde, la peau, le ceci, le cela, on découvre une vue du monde. Et cette vue du monde, eh bien, elle fait que dans le luth, vous avez une représentation de l'homme et du monde, et surtout de l'analogie entre les deux. N'est-ce pas ? On dit la tête du luth, le cou du luth, la poitrine du luth, n'est-ce pas ? Donc ce sont des termes qui sont qui font référence au corps. Et puis si vous le regardez de près, vous allez voir que, si vous étudiez les mots, eh bien, ces deux petites ouvertures s'appellent kamariyat, ça veut dire des lunes. Oh, il y a deux lunes. Et ça s'appelle Shemsiyat, ça veut dire ce qui symbolise le soleil. Ah, il y en a qu'un. Donc, alors, vous voyez, par exemple, le fait qu'il y a une seule ouverture qui s'appelle soleil, ben, c'est parce que le soleil, il est toujours égal à lui-même, alors que les lunes changent, n'est-ce pas, hein? Donc, c'est pour ça qu'il y en a deux. Après, on va s'apercevoir que cette partie-là, qui tient les corps, qui s'appelle le chevalet, ben, représente l'homme, et qu'entre le soleil et l'homme, cette partie-là, c'est une représentation de l'aigle. On revient à l'aigle et à la tortue. Et après, si on va plus loin, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur, il y a des barres qui sont collées, qui sont des barres d'harmonie. Et chacune de ces barres, il y en a 7 correspondent aux planètes. Etc. etc., etc. Donc il y a une vue du monde, une vue de l'homme. Et c'est pour ça que cet instrument était considéré comme l'instrument référence et le roi des instruments. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter ?